C'est à toi. Bonjour à tous. Merci de m'avoir proposé de présenter cet article à cette session de bibliothèque de génétique. Un article réalisé par l'équipe de Cleveland en collaboration avec Columbia et Dallas, et qui a pour but de trouver en fait un score de probabilité pré-test de mutation dans les cardiopathies à transthyrétine. Donc, je ne vais pas revenir sur l'importance du diagnostic génétique pour la prise en charge des familles et puis également pour une prise en charge précoce des formes de cardiopathie qui sont mutées. On sait qu'il y a à peu près 3 à 4 % de patients porteurs d'une TTR mutée chez les descendants des patients, enfin, de patients originaires d'Afrique de l'Ouest et donc une forte population aux États-Unis. Donc, en fait, l'objectif de cet article, c'était de développer un pré-test de probabilité pour rechercher, donc, comme je le disais avant, la présence d'un variant dans les cardiopathies à transthyrétine. Alors, en fait, ils se sont basés sur des éléments, je pense qu'on a un petit peu tous en pratique clinique, et qui sont l'âge au moment du diagnostic, qui est peut-être le paramètre qui est le plus compliqué à appréhender, le sexe et l'origine ethnique. Leur premier objectif, c'était de voir si leur algorithme marchait aussi dans une cohorte de validation, et après d'essayer de voir entre la population afro-américaine et la population caucasienne, si l'algorithme donc pré-test, test génétique, j'entends, avait à peu près la même efficience. Donc, leur cohorte, c'est 767 patients recrutés donc sur Cleveland entre 2008 et 2021. Dans leur cohorte d'amylose, ils ont initialement exclu 20% des patients qui n'avaient pas eu de test génétique. Et dans cette population, parce qu'on pourrait dire que c'est un biais, mais dans cette population, ils ne retrouvaient pas de différence, notamment au niveau de l'origine ethnique ou du sexe des patients en fonction de ceux qui avaient été testés ou pas testés. L'âge médian des patients est 76 ans. 87% d'hommes, 26% d'afro-américains. Les résultats, sans grand étonnement, il y a 73% des patients d'origine afro-américaine qui ont une TTR mutée et 12% des patients d'origine caucasienne. Ce qu'on voit aussi après d'intéressant, c'est que la FEVG est un petit peu plus altérée chez les patients qui ont une TTR mutée. Et puis après, sinon, pas grand-chose de plus. Donc, dans cette cohorte, donc ce qu'ils appellent la training cohort, dans leur population, donc à Cleveland, c'est essentiellement la VAL142 isoleucine qui domine, avec ce qui est retrouvé également donc, chez les patients d'origine afro-américaine, puisqu'on a 98% de mutations qui sont de la VAL142. Et après, dans la population d'origine caucasienne, c'est beaucoup plus contrasté avec la THR, la 80, alanine, qui est à 40% chez eux, 41% même, une VAL142 à 13% et la VAL50 qui est à 9%. Effectivement, on reverra un petit peu après, par rapport à nos patients, les différences un petit peu. Donc, leur algorithme diagnostique, c'est ce qu'ils appelaient un arbre. Donc, sur 767 patients, ils ont ensuite stratifié, donc, dans un premier temps, en fonction de l'origine ethnique, afro-américain ou caucasien. En fonction ensuite de l'âge dans la population afro-américaine, de l'âge également chez les caucasiens, et puis après, en fonction des cut-off d'âge, également du sexe uniquement dans la population caucasienne. Alors, attendez, il faut enlever un truc là. Pardon. Donc, dans la population caucasienne, il conclut qu'un patient qui est caucasien et qui est âgé de plus de 69 ans a moins de 4% de risque d'être porteur d'une amylose à transthyrétine cardiaque avec mutée. Par contre, ce qui est quand même intéressant à voir, c'est que leur algorithme donc, ne classe pas bien les patients sur 11% de la cohorte entière, c'est-à-dire qu'il y a une erreur quasiment pour 1 sur 10. Chez 24% des patients afro-américains et 7% des patients d'origine caucasienne. Il y a une franche différence de risque d'être mal classé entre la population afro-américaine et la population caucasienne, puisque les afro-américains sont nettement plus mal classés, avec quelque chose qui est très significatif. Et chez les afro-américains, dans l'algorithme, la seule chose qui sortait pour permettre de les différencier, c'était l'âge, avec un âge à 83 ans.
cette figure bon, qui nous remontre que globalement, on a plus de risques d'avoir une mutation quand on est afro-américain, quel que soit l'âge, et effectivement également plus de risques d'avoir une mutation chez les jeunes, à la fois chez les hommes et chez les femmes. Donc, dans la population la cohorte de validation qui était issue donc de Columbia et de Dallas, il y avait 494 patients. Globalement, c'était les mêmes profils, 76 ans d'âge moyen, 84% d'hommes et 22% de patients d'origine afro-américaine. Donc, on était très comparable avec la cohorte, avec la training cohorte. Leur algorithme, donc là, à nouveau, on trouve 88% d'efficience de leur algorithme pour l'ensemble de la cohorte de validation, ce qui est très comparable avec leur cohorte d'avant, parce qu'on avait, je vous rappelle, 11% qui étaient mal classés, donc ça laisse 89% de bien classés. Là, également, une franche différence d'efficience entre la population afro-américaine et la population caucasienne, puisque chez les afro-américains, on n'est qu'à 76% d'efficience de classement. Donc, leur conclusion, c'est que 96% des patients donc d'origine caucasienne qui ont plus de 69 ans vont être porteurs d'une ATTR sauvage. Mais il conclut également que ces impressions, donc ça renforce l'intérêt de faire un test même chez les patients âgés, puisque la probabilité, certes, est faible, mais non négligeable. L'algorithme donc met en évidence effectivement de plus importante difficulté pour classifier la population afro-américaine, puisqu'il y a quand même 24% des patients qui sont mal classés. Et eux, ils mettent en valeur, ce qui est tout à fait possible, c'est un biais socio-économique important, notamment au moment de l'âge du diagnostic, puisque l'âge diagnostique, bon, on n'est pas vraiment certain, on a du mal à le qualifier vraiment, d'autant plus chez une population qui a un faible accès à aux ressources médicales, notamment aux États-Unis. Ils ont mis en place ce score qui est accessible donc via ce lien, je l'ai fait, qui marche tout à fait et qui est très simple, peut-être à intégrer, on va voir dans nos prises en charge courantes après. Et quand même, la grande question que m'a posé cet article, c'est finalement, c'est très intéressant, mais quelle est l'application réelle pour nous en Europe? Voilà, et je vais maintenant laisser la place au modérateur pour en discuter ensemble. Merci. Super, merci beaucoup pour cette présentation très claire. En plus, tu nous as refait gagner un petit peu de temps, donc on est quasiment à l'heure. Alors, effectivement, moi, ma première question que je me suis posée quand j'ai lu l'article, c'est à quel point la population est comparable à la nôtre. Pas tellement, j'ai l'impression, parce que la mutation qu'ils ont principalement, chronique 80 à la mine, je crois que c'est une mutation plutôt anglaise ou irlandaise. Ouais. Si je ne me trompe pas, et une très grande population afro-américaine. Donc, est-ce que nous, on pourrait utiliser cet algorithme, notamment le RISC-score chez nous? Alors, ben, justement, je pense que Pascal, son avis sera probablement intéressant là-dessus. Effectivement, on n'a pas du tout les mêmes mutations, notamment dans la population caucasienne, en fait, hein, puisque nous, on a vraiment de la VAL 30. Hein, et effectivement, c'est une mutation que je ne connaissais pas. Donc, tout à fait, tu as raison, Jérôme, c'est une mutation irlandaise. Donc, a priori, à Cleveland, il y a pas mal d'Irlandais. Qu'on n'a pas forcément, notamment à Toulouse. Hein. Donc, c'est vrai que ce questionnement sur les mutations, effectivement, ce n'est pas des populations extrêmement comparables, beaucoup plus jeunes que nous, aussi 76 ans de moyenne d'âge, ce n'est pas les âges qu'on a, nous, chez les patients, hein, qu'on a maintenant, en tout cas, on est, je pense, bien 4 ans au-dessus. Et c'est vrai que c'est questionnant. Donc, je ne sais pas, il faudrait peut-être, ça vaudrait peut-être le coup, hein, presque, d'essayer de s'inspirer, de voir ce que ça donne chez nous, de peut-être faire un travail en Europe là-dessus. Et après, l'autre question qui est posable, c'est finalement, qu'est-ce que ça change? Puisque leur conclusion terminale, c'est ben, on va quand même faire le test à tout le monde parce qu'on ne veut pas passer à côté de mutations. Et qu'est-ce que ça change? C'est qu'on peut se le demander. Alors quand même, j'ai réfléchi et ça change peut-être quelque chose. Ça change peut-être, bon, ça pourrait permettre de prioriser les diagnostics génétiques. C'est-à-dire qu'on génotype tout le monde maintenant, larga manu, ce qui fait qu'il y a un peu des délais forcément pour les labos génétiques. Et peut-être quand on est ablandissant des scores et en marquant le score, j'en sais rien, sur le bon de génétique ou quoi, ça pourrait prioriser et mettre en place des traitements plus précoce, quand on aurait des résultats plus précocement.
Pascal, je vois que tu défends très courageusement cette étude et le score qu'il a généré. Moi, j'avoue que je ne suis pas du tout épaté, mais C'est franchement, pas Pauline, hein? épaté du tout. Pauline, Décidément, Pauline. Bon, voilà, moi, je suis pas du tout épaté. Et pour moi, ce qui manque dans cette étude, c'est la prise en compte des signaux extracardiaques. Je pense que cette étude aurait un visage complètement différent si on avait les signaux extracardiaques. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, tout à fait. Bah, après, on voit que l'étude, elle est quand même, c'est vraiment du rétrospectif qu'ils ont fait sur du 2008-2021, donc une grande partie. Effectivement, on n'a aucune information sur l'extracardiaque après, enfin, à part la fonction rénale, et c'est à peu près tout. Donc, c'est sûr qu'effectivement, si l'extracardiaque, s'il y avait la date d'un canal carpien, de signes neuro, s'il y avait une neuropathie quantifiée, bien évidemment que ça changerait très probablement l'arbre diagnostique, oui, tout à fait, et le probabilité pré-test, ouais, bien entendu. Après, je pense qu'il faut vraiment rappeler l'importance quand même de tester chaque patient, parce que même si le patient caucasien a que 4% d'être porteur, n'empêche qu'il a quand même un risque. Et nous, au laboratoire, on voit bien qu'on a des patients très âgés et blancs qui sont quand même porteurs d'une mutation dans le gène TTR. Et derrière, il y a quand même tout le diagnostic désapparenté qui en découle. Donc, ça, je pense que ça reste une stratégie prudente quand même de continuer à tester. Le score, il pourrait peut-être, enfin, je sais pas, vous en tant que cardiologue, si, est-ce qu'il vous aiderait pas plutôt à informer le patient de manière plus exhaustive ou plus précise en amont d'un test génétique pour expliquer que c'est peu probable qu'il soit porteur, mais on le fait quand même, ou l'inverse? Ben alors après, on le fait un peu déjà de manière un peu intuitive. Voilà. C'est-à-dire qu'effectivement, comme déjà Jocelyn, s'il n'y a aucun signe de neuropathie, si le patient il a 90 ans, qu'il n'y a personne dans la famille, qu'il n'a atteint vraiment cardiaque, ben on aura tendance à être un peu rassurant en pré-test. Bien qu'après, on se trompe hein, quand même aussi régulièrement. Mais oui, après, sinon, mais je suis un peu d'accord. Hein, Jocelyn, cet article, moi, il m'a un peu laissé sur ma faim. Disons que la conclusion, c'est que de toute façon, on va continuer à tester tout le monde, effectivement. Bon. Oui, c'est ça. En fait, ce à quoi on aurait pu s'attendre d'un article de ce genre, c'est qu'ils disent, voilà, il y a là, au-dessus de cet âge, on exclut absolument la possibilité, ou au-dessous de cet âge, enfin, tout s'est testé, c'est sûr, mais il manquait un petit peu ça, une valeur prédictive négative très forte, par exemple. Ils n'ont pas réussi à atteindre cet objectif, j'ai l'impression. Alors, du coup, moi, j'ai essayé de faire plein de petits calculs en mettant des patients imaginaires dans le score de risque. Donc, globalement, quand même, la femme d'entre 85 et 89 ans, elle reste à du moins 4 pour, de 4% à peu près de risque. Et par contre, l'homme de plus de 90 ans, dans leur algorithme, en tout cas, à eux, on est à du moins 1 tout le temps. Mais Et bon, oui, ça c'est ça. change Mais il y a rien. toujours un, oui. Voilà, on n'a toujours pas un truc négatif. Et de toute façon, effectivement, il n'y a pas de. Enfin, il faut continuer à tester tout le monde, tout à fait. Hein. Ce qui est d'ailleurs la conclusion de leur article. Hein. Très bien, très bien. Ben, ça va être le moment de nous séparer. Donc, merci à tous pour cette session. Merci aux présentateurs. Et on se retrouve le 25 mai pour une nouvelle session de Bibliose. Merci beaucoup. Merci beaucoup.